Haïti, chômage, fatalité ou irresponsabilité. Le pays nous appartient. Voilà le problème de ce pays, avait chanté un artiste haïtien avant de venir le 56e président de la République d'Haïti. Ce « nous » a toujours été, paraît-il, un petit groupe dont les jeunes sont exclus. Aujourd'hui, quel recours pour cette majorité qui subit le problème du chômage? Il est évident que l'État est responsable pour n'avoir pas créé les conditions nécessaires à la création d'emplois en Haïti. Les investisseurs sont à bout de souffle à cause de l'instabilité politique et de la situation sécuritaire qui reste toujours précaire. L'État a-t-il un plan de relèvement pour un plan de relèvement de l'économie nationale? Le marché devient-il cette jungle où les opérateurs économiques se déchirent pour des monopoles au niveau de l'importation? L'État a-t-il une politique d'octroi de crédit pour faciliter l'autonomie économique des jeunes? Toutefois, on serait tenté de croire que les gangs armés constituent les plus grands secteurs porteurs d'emplois aujourd'hui. Des chargés de recrutement sont en contact permanent avec les jeunes les plus vulnérables, ceux qui n'ont aucun recours. Pourtant, malgré la montée du chômage, un soulèvement populaire n'est pas pour demain. L'un des obstacles à la révolte est la diaspora haïtienne qui, par sa générosité, encourage la mendicité en Haïti. Cette diaspora, toujours considérée comme utile, contribue à rendre l'État irresponsable. Les aumônes de la diaspora stabilisent une situation qui pourrit tranquillement. Des formations par-ci, sans espoir de déboucher, voilà un autre point important. Les écoles professionnelles pilulent sans tenir compte des métiers qui ont évolué et des nouvelles démarches des entreprises. La jeunesse est confrontée à une montée en puissance du chômage, l'irresponsabilité ou fatalité Robinson d'Haïti. Pour l'éditorial de ce jeudi 27 mai 2021. J'ai mis ce commencé l'éditorial là-bas, je me suis cloché. Mais parce que, où est les idées? Et frère, passage ça. On très bon. Son musique m'a peut-être de l'auteur. Et puis, on toujours été sous passage ça. Très bien. Et puis, bon, mais Robinson fait. Alors, je ne sais pas si tu as partagé ça, Robinson. Non. Oui, alors. Voilà, tu le fais même remarque là, comme on s'en appelle. Très bien. Le pays nous appartient. Voilà, c'est le problème du pays à ça. Très bien. Le pays est pour nous lier. Est pour nous lier. Mais nous, on est un petit groupe. Mon cher, nous on sent du groupe. Alors faut qu'on dise que ça arrive. Moi je dis leur dit phrase là parce que moi toujours pas qu'on les m'a de musique ça, pas font rester sous passage ça parce que me dit tête est-ce que son RM c'est fait ou bien son constant, pas comprendre. Bien. Il arrive que li vinn li porte comme président et puis il vinn président après. Très bien. Nous alors moi pour me faire de musique ça et passage ça. Oui, bien sûr comme musique. Très bien. Monsieur d'Haïti, bonjour. Bienvenue à l'émission Matin Débat, comment allez-vous? Bonjour Mathieu Débat, bonjour Loco Désir, bonjour Maître Lixidor, bonjour à Pierre Martin, à toutes. Bonjour à toute l'équipe technique là, et Baba Sari, bonjour à toutes auditrices, auditeurs qui attendent de nous. C'est un plaisir pour nous ensemble, aujourd'hui, hein, pour nous faire commenter autour de cet éditorial qui se fait « Haïti, chômage, fatalité ou irresponsabilité ». Et une bonne que l'éditorial ça, moi écrit suite à des demandes de plusieurs jeunes qui est une formation et qui est formée professionnellement et qui a subi le problème du chômage depuis un bon bout de temps, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et on se demande très sincèrement comment ça fait été là jusqu'à présent. Et je dis, hein, et ça a vraiment paniqué nous. Et je dis, nous parler parce que Matin Débat, c'est une émission de service public. Et nous, la public là, et là, me pensais, malgré toute bagarre par les jeunes, je dis, hein, référendum, et référendum qui a fait ou bien qui n'a pas fait, élection qui a fait ou pas fait, président qui a arrêté ou bien qui n'a pas arrêté, mais il y a un problème de chômage. Très bien. Et un coup de cloche pour Robinson d'Haïti. Et pour cette très belle réflexion, un très beau texte, et m'espère que mon capteur d'émission Matin Débat, qui souhaitait continuer à faire commentaire avec vous, donc capable de relo dans 31 55 43 25. Première question pour moi, Loco. Allez-y. D'Haïti. Oui, député Tatou. Où sont mélomanes? Nous sommes mélomanes, mais le pays ne m'appartient pas. Ok. Aujourd'hui, quel recours pour cette majorité qui subit le problème du chômage? Parce que ce « nous » a toujours été, paraît-il, un petit groupe
dont les jeunes sont exclus. Là, nous dit okay. que PIA, c'est pour nous. En fait, là, on fait référence à une musique de Soutmiki et président Michel Martelly. Donc, sur un album, Lio. Donc, oui, quel recours que oui, certainement. Les monsieur Joseph Michel Martelly, le 56e président de la République, c'est santé, musique, ça. Mais pas qu'au président, le pays nous appartient. Voilà le problème de ce pays. Il semblerait que nous, ça, son petit groupe qui est lié, et ces jeunes, pas seulement jeunes, mais grand le monde qui exclut de ce nous, c'est-à-dire de ce petit groupe, mais capable de l'autre dimension, tout. Mm-hmm. Nous, ça, là-bas, il tient tout. Regardez comme ça, le pays nous appartient. Voilà le problème de ce pays. C'est-à-dire, le pays a dû appartenir à des étrangers. On ne sait jamais. Sénateur Moïse, Jean-Charles, s'est mené contre Michel Martelly et qui t'a demandé est-ce que Michel Martelly, c'est haïtien. Mm-hmm. Hein, vous savez, Kenneth Nathan dit. Et Michel Martelly, pas américain, c'est haïtien que lui. Nous sommes bagages ça très bien. Mm-hmm. Et moi-même, à cette époque, j'ai même écrit un papier côté de Dédi. Et Kenneth Nathan qui connaît évidemment ses compatriotes, qui connaît si M. Joseph Michel Martelly pas américain, mais que lui, lui pas haïtien, son bagage qui est vraiment dérangé. Parce que de toute manière, des sénateurs de la République pas capables de découvrir si. M. Joseph Michel Martelly est haïtien et que c'est un étranger qui dit non qu'il n'est pas haïtien. Donc mm-hmm. c'est nous capables des étrangers, mais capables tout en petit groupe. Mais je veux dire. Donc, nous qui ne devons pas comprendre le message là. Ah oui, bien sûr. Si nous ça, qui sont petits groupes ou bien qui peut-être des étrangers, il se trouve qu'il y a bien même, il y a bien passé dans le pays là. Et c'est le problème de ce pays. Et mm-hmm. je ne veux pas oublier que M. Joseph Michel Martelly. Ils sont associés, ils sont musiciens que liés. Hein? L'Elzita, l'Ingensens, le pays nous appartient. Voilà le problème de ce pays. Et c'est effectivement le problème de ce pays, c'est que ce pays appartient à un petit groupe, et je n'ai jamais dit à une grande majorité de jeunes qui n'ont pas chômage, et ils résident là, il y a des gens capables, mm-hmm. et je n'ai jamais dit à leur demander quel recours pour ces jeunes qui sont au chômage, je n'ai jamais dit. Mm-hmm. Maintenant, ça crise, et le co-désir, c'est que l'État, en premier lieu, en fait, l'État a-t-il un plan de relèvement de l'économie nationale, voilà, le marché devient-il cette jungle où des opérateurs économiques se déchirent pour des monopoles au niveau de l'importation? L'État a-t-il une politique d'octroi de crédit pour faciliter l'autonomie économique des jeunes? Oui, mais certainement, parce que c'est exactement cette crise-là. Et je ne veux dire, il y a des opérateurs économiques. Bon, c'est vrai que les investisseurs sont à bout de souffle. Le monde qui a investi dans le pays, ça, ils ont bouqué. Toujours nous entendez et comment ben, les fantômes 509 a sorti craser business pour donc l'homme on investit un petit corps je viens de dire et non business pour créer deux ou trois emplois et bien ouais on groupe 509 on fantôme 509 sorti le craser ou bien il y a des manifestations de rue ils ont venu au craser business là mais il y a aussi l'instabilité politique mm-hmm. et cette situation sécuritaire qui est toujours précaire donc il n'est pas bon pour investisseurs mais après ça sous garder bien marché en même. Ma chère a vraiment dégoûté parce qu'il y a des opérateurs économiques qui a discuté avec l'État et puis il y en a mangé l'autre pour qu'il y ait des monopoles pour de monopole. L'importation. C'est ça qu'a réglé. Mais même si jeunes, évidemment, pas capables de joindre le travail, c'est qu'ils doivent créer des activités et puis ils vivent. Parce que le social, c'est de vivre. Mm-hmm. Et le problème, c'est que nous ne pouvons pas arriver à vivre pour qu'il y ait un octroi de crédit. Nous ne pouvons pas mon crédit et me définir à l'État hier. Et par rapport aux banques commerciales, et moi-même, je répète ça, et c'est peut-être la troisième fois que je répète ça dans l'éditorial, c'est que les banques commerciales que nous gagnons là en Haïti, c'est des banques qui n'ont pas joué le rôle d'intermédiation financière, et ils n'ont pas qu'à prêter mon corps. Ils n'ont pas prêté mon corps, et ils ont bien raison quelque part, parce que pas de stupidité dans la économie. Hein. Mm-hmm. Mettre l'excédent en corps, mettre l'excédent bien. Avec le président de la République, Jovenel Moïse. Alors, pardonnez et mettre l'excédent parce que nous va bien avec. S'il vous plaît, monsieur Daïti, madame, c'est. Quand la fini, monsieur. Pour la situation dans le pays. Mais bon, si ce n'est pas un cadeau, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est là, monsieur Daïti. Ah oui, il est là. Vous m'avez dit, monsieur Daïti. Ouais, bah là, quatre mois fini en pleine interview. Oh, pas besoin de tout ça. Pas besoin de tout ça. Merci à demain.
Moun pa konprann moi. Non mais un petit son. La parler là toujours. Ouais, la brille moi, un petit son. Il vient à couper. OK, mais au même zone là. Ouais, tic ba tic tic là, va remonter là. D'abord même un petit son. Tu son va comme si mon va. Faut tu donner chef là. Ouais, tic son ça, il niveau d'habit. Il vient de dire comme si tic son mon pas mon tic son. En bas. Bon. Écoutez, ça arrive en tête à tout. Depuis que des tic tic tic. Moi j'ai félicitations pour le tutoriel là. Pour moi. À demain. Pour moi, ça me fait, ouais, ça fait deux fois que je viens de moi ça. Oui. Quatre mois finis, donc en pleine interview. Oui, monsieur Daïtien, avancez, oui. Oui, oui. Alors, Alexandre, monsieur Loco Désir, monsieur, c'est pas ce qu'on fait, ça fait trois fois, ça arrive. Bon, ça arrive, bon, Loco Désir. Ben, un cas de vie après. Oui, bien, oui. Bon, ça se comprend, un journaliste. Pas bon, j'ai faute, gué. Je l'ai dit ça. Un journaliste au sauvage. Pas l'argent, pas l'argent, mon frère. Et ma tête débat va bailler comme. Ok, toutefois, on serait tenté de croire que. L'État, non, tu dis ça, l'État, est-ce que l'État en politique pour bailler jeunes de crédit? Parce que même si, pas d'emploi, évidemment, mais jeunes sont capables de créer des activités, puis sont capables d'autonomie économique. Mais je veux dire, on va faire gagner crédit, banque commerciale, qui c'est des banques. Évidemment, j'aimerais les lents familiales qui, de toute manière, baillent crédit à 6 familles ou 10 amis. Et on va pas jouer le rôle d'intermédiation financière là pour ça, on s'en est bien simple. Si mettre l'exidor vient avec le président de la République, Jovenel Moïse, il prête 10 millions de gouttes, il prête 100 millions de gouttes, eh bien, il ne doit pas payer. Parce que même si Bakland a un recours au niveau de la justice, eh bien, mettre l'exidor pour faire valoir que lui-même et ses amis président et que Bakland a perdu. Il est perdu net. L'autre secteur là et qui porteur d'emploi, qui pourvoyeur d'emploi, c'est question de gang armée. Ah oui, c'est ça. Ou pensez que, parce que là où pèse très fort, oui, et toutefois on serait tenté de croire que les gangs armés constituent les plus grands secteurs porteurs d'emploi aujourd'hui. Ou pèse fort, oui, là. Oui, oui, et là, moi, du tout, des chargés de recrutement sont en contact permanent avec les jeunes. Oui. Il y a des gens même, il y a des gens qui l'a même, qui a cherché des jeunes qui ont une difficulté et puis au fait, ils ont entré dans le gang armé. Et là, c'est extrêmement grave. Moi, je m'ai demandé comment Negio a dirigé le pays. Imaginons, je ne veux pas parler de référendum qui doit faire tout bien, qui ne doit pas faire, des élections qui doit faire, qui ne doit pas faire. Et puis, il y a des jeunes qui sont très vulnérables. Qui n'a pas qu'à manger, qui n'a pas qu'à boire, qui n'a pas qu'à aller à l'école, et puis il y a des gens qui disent ça, on va pas rester, il n'y a pas de misère comme ça. Vini, et puis on va faire comme. Et effectivement, il y a fait. C'est ça qui est dur aujourd'hui, c'est que ce chômage-là, les jeunes, l'intention qu'entrer dans une gang et armée, la plus bon pour eux. Alors, il faut nous souligner tout, et que parents ont démissionné aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. Parce qu'il y a des jeunes, autrefois, qui n'est pas entré dans la milice, qui n'est pas entré dans la milice du Valier, qui était Kembe, il y a l'école, etc. Pour qui ça? Parce que tu as des parents. Mais je ne veux pas des parents. J'ai une femme qui est sortie, la prostitution, etc. Il est entré à Kobe, dans la maman content, papa content, frère content. J'ai une garçon sorti, il est entré dans la gang, il saute, fait kidnapping, il saute et braque, etc. Il entre à Kobe. Et bien, parents contents, maman content, papa content, tout le monde content. Donc, on a une irresponsabilité au niveau des parents et qui est extrêmement grave et qui fait que. Et chef gang et Arméo a fait recruter des jeunes qui en difficulté. Mais regardez pour ouais, et le connaissez tout problème ça qui existait dans le pays, hein, côté jeunes n'ont pas qu'à manger, jeunes n'ont pas qu'à boire, n'ont pas qu'à l'école, on m'a dit très sincèrement pour qu'il n'y ait pas une révolte, pour qu'il n'y ait pas un soulèvement populaire, je veux dire, qui a fait quand même, parce que s'il était fait 6-7 juillet, même malgré pas structuré, mais l'a fait quand même. Et véritable obstacle, je veux dire, qui fait par contre soulèvement populaire, par contre révolte, c'est la diaspora. Oui, ou parler de diaspora qui est selon même qui est encouragée, donc la mendicité. Non, la diaspora haïtienne, c'est ça le fait seulement, et il y a encouragé la mendicité. Regardez ces deux mondes là actuellement, qui pas travaille, hein, qui pas faire, qui pas faire commerce, qui pas game business, qui pas voyager, il y a bien vivre. Ouais. Pour qui ça? Ouais. Parce que yo gain, yo m'attendu, yo maman, yo papa, yo qui gain 90 ans, qui gain 70 ans, qui gain 80 ans, et puis cap voyer et $50, $100, $150, $300 ba yo, paye caille, paye l'école, etc. Et généralement, là ouais, et par contre sous une réalité ça, les diaspora haïtienne là cap redit du, n'a fredi. Vous voyez comme ça, qu'est-ce que vous faites, frère? Il y a la chiffre aux ongles,
elle a sécu texte. Oui, faux cheveux. Oui, faux cheveux. Elle a belle tennis. Ouais. Elle est sérieux qu'à régler avec comme diaspora à la frère. Et je veux dire, et moi, oui, dis, elle me dit l'empire. Faut diaspora haïtienne structurer tes petits pour connaître qui ça l'a fait. Et ma question est sous ça, et que je me parlé là, et au niveau de l'Afrique. Il y a un gouvernement de la diaspora africaine, mais il y a aussi une constitution de la diaspora africaine. Il y a une constitution de la diaspora africaine. Là, je dis à moi, avant projet de constitution, et côté on dit, ma diaspora capable de débuter. Et puis moi, il y a mon diaspora qui embarque au nom de la diaspora. Mais écoutez, pour qu'ils ne soient pas organisés, il y a une propre constitution par eux. Elle a fait à travers le bon Jean, ou elle connaît le sort de l'Italia, pas de secret dans ce cas-là. Elle n'a pas cette expérience qu'elle a faite à travers le monde, bien soit arrêté là, et puis elle dit aux bon, que tu as avantage, nous sommes capables de débuter, nous sommes capables de ceci, nous sommes capables de cela. Je mets aujourd'hui là, c'est que non seulement diaspora encourager la mendicité, parce que chaque grain nègre là, ou bien chaque grain femme là qui va travailler, il y a un monde, il y a un ménage. Oui, dans la diaspora quand même. Tranquillement. Et pas qu'il y ait un soulèvement populaire. Le côté de l'Ukraine, parce qu'il y a annoncé pays lock, ou qu'on m'attente, ou qu'on ménage l'autre bord, qui a pris $300 pour, et vous voyez servante là, ou bien vous voyez gardien, elle fait marcher plein caillou, et vous chitez à la caillou, la télévision. Très bien. La télévision, et puis tout bagarre était Jean-Louis. Très bien. On paye tout chômage là. Pour pas gagner les votes, pour pas gagner soulèvement populaire, ce qui est extrêmement grave. Et deuxième aspect qui est extrêmement important, c'est que l'État prend plaisir dans ça. Parce que diaspora haïtienne est déresponsabiliser l'État. Et tout ce aumône, même les aumônes de la diaspora, les stabiliser une situation qui a pourri tranquillement et la pété dans la figure nous quand même. Eh bien. Voilà. Merci un peu, monsieur Robinson d'Haïti. L'autre aspect, et avant de fermer entrevue, le quoi dire. Ce sont les écoles professionnelles. Les écoles professionnelles. Très bien. Un pile formation qui a fait partie par là, et le quoi dire, sans espoir de déboucher. Son point qui est extrêmement important pour moi, parce que grand pile l'école professionnelle qui a créé tout partout, mais on va tenir compte des nouveaux métiers. Grand pile nouveaux métiers, je veux dire, et qu'il y a de nouvelles. Demande des entreprises. Pas aucune étude qui fait sous ça. Écoutez, si dans le pays, il y a besoin de monde qui a balé, ou pas qu'à bon agronome. Si dans le pays, il y a besoin de monde qui a passé pour le mouillé, ou pas qu'à bon avocat. Et il faut nous identifier ça, nous avons besoin. Donc, je dis à jeunesse, là, confronté à remonter en puissance du chômage, est-ce que c'est irresponsabilité ou fatalité? Eh bien, merci un peu, monsieur Benson Daïti. Merci un peu. Merci infiniment, le plaisir. À bientôt, Matin Débat. 31 55 43 25, que si. Vous souhaitez faire commentaire ou du moins faire débat avec Robinson d'Haïti donc sur les différents éditoriaux de l'émission Matin Débat. Je vous rappelle que éditorial Matin Débat, donc c'est la pensée même de l'émission.